Familles, les parents, les enfants, les grands-parents, tous les amis, aussi les prêtres, les acolytes, ceux qui chantent, qui vont nous animer. Bienvenue vraiment pour cette fête et nous la vivons en présence du Seigneur qui nous invite chaque dimanche à participer à une assemblée pour faire mémoire de sa mort et de sa résurrection. La liturgie sera très simple. Ceux qui ne s'y retrouvent pas, on leur dira où on en est. Et puis, on donnera aussi des indications pour, après l'évangile, ce que l'on peut faire. Et on surveillera, comme ça tout le monde comprendra. Et puis après cela, nous aurons, après l'Eucharistie, vraiment l'occasion encore de partager ensemble ce que nous avons vécu depuis ce matin. Alors on commence toujours, quand on est chrétien, par le signe du chrétien qu'on reçoit au moment du baptême, le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Jésus est mort pour tout le monde, y compris pour nous. Il est ressuscité pour tout le monde, y compris pour nous. Et c'est là que nous découvrons comment nous sommes délivrés du mal, pardonnés quand c'est nécessaire. C'est ce que nous allons vivre maintenant. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, en ton dessein créateur, la famille trouve un fondement solide. Dans ta bonté, sois attentif aux prières de tes serviteurs. Fais qu'à l'exemple de la sainte famille de ton Fils unique, nous nous attachions à mettre en œuvre les vertus familiales et les exigences de la charité, afin de goûter la récompense éternelle dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie : Tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, comme prophète pour te succéder. Élie s'en alla. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer. Il avait à labourer 12 arpents. Il en était au 12e. Élie passa près de lui et jeta vers lui son manteau. Alors, Élie
Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie et lui dit « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. » Élie répondit « Va-t'en, retourne là-bas, je n'ai rien fait. » Alors Élisée s'en retourna, mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois de l'attelage et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. D'autre bonheur que toi, tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors, tenez bon. Ne vous mettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici : «
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde, vous allez vous détruire les uns les autres. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s'opposent à l'esprit et les tendances de l'esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Parole du Seigneur. Avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, comme c'est une messe festive, on a le temps et on va prendre le temps de nous laisser interpeller par la parole
les paroles que nous venons d'entendre. Vous avez reçu deux petits cœurs. Et sur ces petits cœurs, on va vous inviter à y inscrire sur le premier quelque chose qui vous a touché à l'écoute de ces lectures. Bon, on ne peut pas mettre toutes les lectures, mais on va afficher ici le psaume, au cas où l'un de vous n'aurait peut-être pas vraiment eu le temps de bien se laisser imprégner par la première lecture et l'évangile et la deuxième. Voilà, vous avez au moins le psaume. Mais s'il y a quelque chose qui vous a touché tout au long des lectures que nous avons entendues, nous vous invitons à l'écrire sur ce premier petit cœur. Et voilà, prenez le temps, on va mettre un instrumental pendant que vous vous laissez interpeller par ces paroles. Et sur le deuxième petit cœur, on vous invite à mettre soit une intention, soit un merci à adresser au Seigneur. Et ce deuxième petit cœur, on viendra le récupérer. Mais le premier, vous le gardez pour vous. Voilà, bonne méditation.
Chacune, chacun, les enfants comme les adultes, on se souvient de la première fois où on était bien dans une famille. C'est-à-dire que on se souvient qu'on était bien avec papa et maman peut-être et d'autres, et puis on a grandi, et à un certain moment, ça a parfois raté, on est dans un autre monde, et à un certain moment aussi, on rejoint quelqu'un, et on a soi-même des enfants. Et cette expérience, nous la vivons depuis des millénaires, et il y a vraiment des moments dans une année où c'est plus fort, comme à la Noël, ou encore quand il y a quelqu'un qui vient pour faire un nouveau couple, et alors on sort parfois les appareils avec des photos d'il y a 20, 30 ans, ou encore chez papy et mamie, des boîtes à chaussures avec des photos vieilles de 50 ans. C'est une manière de dire que on se sent bien. Et en grandissant, on attrape un tas de choses à faire. Des choses qu'on n'a jamais demandées. Quelqu'un tombe malade, ou il faut vraiment trouver une solution parce qu'il n'y a plus de sous, ou encore, et ça dépend évidemment des familles, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine pour aller en vacances? Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont peut-être plus essentielles. Et on essaye de s'y tenir. Et pour certains, certains d'entre nous, on ne voit vraiment pas le lien avec la religion. Une vie de famille, c'est quand même très personnel. Et qu'est-ce que les autres viennent voir ou viennent faire là-dedans? Et je connais des personnes, des familles, où on se protège parce que franchement, les autres n'ont rien à dire dans ce que je vis. Et certains, certains d'entre nous trouvent que il y a quand même un lien avec notre foi. Jésus a parlé des familles. Et bien souvent, il dit qu'il y a des choses plus importantes. Il faut savoir quitter. Et dans les lectures d'aujourd'hui, ça intervient deux fois. Jésus n'a jamais demandé qu'on disloque les familles. Mais Jésus nous dit qu'il y a des choses très importantes, et pour ceux d'entre nous qui lisent bien, la destinée personnelle, la vocation, comme on dit, personnelle, ou ce que l'on va faire de sa propre vie, eh bien, ça, le Seigneur le regarde, parce qu'il nous appelle à vivre cela. Et puis Jésus a aussi des paroles très dures sur ceux qui cassent les couples. Alors, on n'est pas là pour regarder autour de nous les couples qui ont changé. Ça ne nous regarde pas. Mais Jésus nous dit, regardons quand même bien quand nous nous mettons avec quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment le fond de notre être qui est donné? Et tout le monde répondra, oui, je l'aime, je donne ma vie, mais il y a eu quelque chose, et voilà. Et l'Église catholique a eu, depuis deux siècles, un discours relativement sévère sur les familles, en montrant surtout les conditions pour que ça marche. Et comme toujours, ce qui est condition est parfois interprété
comme des interdictions, des règles. Et on ne vit pas avec des interdictions et des règles, parce que nous ne sommes pas faits pour ça, pour obéir à des règles. Il faut des balises, mais ce n'est pas un poids. Alors, chers amis, nous sommes dans une période où, au niveau de la vie humaine, entre deux personnes ou plusieurs, les choses changent beaucoup. Et il y en a parmi nous qui viennent d'autres continents et où c'est pas comme en Belgique. Et c'est très bien comme ça. Donc nous sommes invités à bien respecter l'expérience de toutes les personnes que nous connaissons, vraiment respecter avec bienveillance. Et nous avons, quand il y a des difficultés ou des épreuves, jamais de jugement à poser, à porter. Nous accompagnons la croissance de tout être humain, de toute l'humanité. Et bien malin aujourd'hui, c'est où nous allons, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de modifications par rapport à ce que nous avons appris peut-être quand nous étions plus jeunes. Le pape actuel a décidé il y a quelques années, en répondant bien sûr à l'attente de plusieurs ou de beaucoup, donc imaginez deux synodes sur l'amour humain. Et il insiste beaucoup sur la joie de l'amour. Donc, on ne regarde pas d'abord les interdictions ou les lois. La joie de l'amour. C'est ça que je commençais. Nous avons une expérience, nous nous souvenons peut-être la première fois où nous nous sentons bien dans une famille, la nôtre. Et alors le pape a fait réfléchir, il a sorti un document et il a demandé vraiment à ce qu'on entre dans ces documents, les gens qui ont le temps bien sûr, pour bien discerner ce que le Seigneur nous demande maintenant, aujourd'hui. Et en cette année, où c'est la clôture de l'année Amoris Laetitia, la joie de l'amour, le pape a suggéré qu'il y ait par diocèse une rencontre joyeuse. C'est-à-dire, pas commencer à nous lamenter. Oh, les choses ne sont plus comme avant. Ça, c'est pour les gens de mon âge. Mais pour les jeunes de 40 ans, où est-ce qu'on va? Les enfants ne font plus comme nous, quand nous étions petits. C'est normal, on dit ça depuis des millénaires. Il y a toujours, dans la vie de l'humanité, quelle que soit la grandeur du groupe, quelle que soit la famille, quelles que soient les personnes seules, il y a toujours possibilité d'imaginer une croissance positive. C'est-à-dire, nous ne sommes pas là pour essayer de traverser une épreuve pendant 50 ans, mais nous sommes là pour trouver le bonheur avec les gens qui sont sur notre route. Et du coup, nous pouvons voir les choses autrement peut-être que ce que nous vivons maintenant. Et on a raison. Et donc dans les lois civiles de beaucoup de pays, on a raison d'insister sur le respect dû aux enfants, sur l'accompagnement des enfants, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur situation familiale, et aussi respecter l'identité, le cœur de chacun. Et on a aussi l'occasion de voir d'énormes modifications législatives dans les parlements pour correspondre au réel, à la mentalité de maintenant. Les choses changent et si nous sommes persuadés que l'humanité croit en sagesse par l'expérience au fur et à mesure des siècles, eh bien, nous participons volontiers à tout ce qui est proposé maintenant. Je termine. Accompagner des gens. Se laisser accompagner soi-même, parfois. Et c'est parfois encore plus difficile. Mais accompagner des gens,
pour les aider à trouver le bonheur, pour parfois apaiser la conscience qui est remplie de culpabilité, accompagner des gens qui réfléchissent et qui essayent de montrer un chemin de vie où on trouve ce bonheur. À partir de ce moment-là, je crois qu'on est prêt à nous mettre en présence, tout seul ou à plusieurs, à nous mettre en présence du Seigneur et à écouter sa parole. Annunziata disait, on n'a peut-être pas été attentif, mais avec les textes bibliques qui nous ont été proclamés, donc on va vous mettre le psaume, au moins regardez. Eh bien, quand le Seigneur parle, il parle évidemment à notre conscience d'abord, puis nous écoutons ensemble ce que nous discernons dans ce qui est proclamé, mais en même temps, il y a toujours bien une formule qui frappe. Et dans les passages d'aujourd'hui, Jésus va à Jérusalem, il sait qu'il va souffrir la passion, mourir et ressusciter. Il l'a déjà dit à ses disciples. Donc ce n'est pas un voyage triomphal pour aller en vacances à Jérusalem. C'est vraiment autre chose. Et les disciples ne comprennent pas. Mais en même temps, il y a des gens qui viennent dire « Je veux venir avec toi ». Et Jésus a une réponse pour chacun. Et à la fin, on ne regarde pas en arrière. Celui qui veut entrer dans le royaume, qui se met à ma suite, ne regarde pas en arrière. Il n'est pas fait pour moi. Qu'est-ce que nous regardons en arrière? Si c'est pour se lamenter, ça ne sert à rien. Regardons celui qui nous conduit. Et on l'a dit aussi dans les textes, il nous conduit là où on trouve de quoi vivre. Et quand on regarde la vie humaine, ce n'est pas seulement ici, sur cette planète, mais c'est aussi au-delà, y compris au-delà de la mort. Ça veut dire que toutes les épreuves que nous avons peut-être traversées avec quelqu'un dans notre famille qui s'est suicidé, ou quelqu'un qui a voulu attenter, ou quelqu'un qui a voulu vraiment faire le mal, tout cela sont des étapes douloureuses évidemment, mais en même temps ne sont pas les dernières. Il y a quelque chose que le Seigneur nous montre par son expérience personnelle et il cite régulièrement pour ressusciter. Ressusciter pour nous sauver, ressusciter pour nous donner la vie qui ne finit pas. Alors durant cette liturgie eucharistique, soyons bienveillants avec tout le monde. Ne jugeons pas. Ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Évidemment, si nous avons commis des choses épouvantables, il vaut mieux s'en rendre compte, bien sûr. Mais le but n'est pas là. Le but, c'est que, en fonction de notre itinéraire personnel, nos expériences diverses, nous puissions découvrir où est le bonheur. Et bien souvent, ça se fait à deux, à plusieurs, et on entraîne beaucoup de monde avec nous. On peut remercier dans l'Église et aussi ailleurs, toutes les personnes qui veillent là-dessus. Et on peut remercier dans le diocèse le service des couples, des familles, qui essayent d'accompagner ce qui se passe en faisant des propositions comme celle d'aujourd'hui. Et en même temps, si nous nous sentons aptes, appelés à prendre aussi ce chemin, vous êtes les bienvenus. Proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Écoute, Seigneur, au service les uns des autres. Seigneur, donne à nos familles d'être ce lieu où ton amour se déploie, où chacun apprend à donner comme à recevoir, à aimer comme à être aimé, afin que ta grâce recouvre la terre et que nous soyons témoignage de ton salut. Nous te prions. Écoute, Seigneur, cette prière qui monte vers toi. Tu m'apprends le chemin de la vie. Seigneur, nous te rendons grâce pour les enfants que tu nous confies. Donne-nous de pouvoir chaque jour être pour eux témoins de ton amour, guide sur leurs pas, soutien dans leurs épreuves, afin que par ta grâce ils grandissent et deviennent témoins de la vie que tu nous donnes. Nous te prions. Écoute, Seigneur, nous te confions nos jeunes qui prennent leur envol. Donne-leur d'ouvrir leur cœur aux lumières de ton Esprit Saint. Mets sur leur route des témoins de ton amour. Bénis leur rencontre et leur partage de vie, qu'ils puissent recevoir et donner dans la grâce de ton amour. Nous te prions. Se leva, partit à la suite d'Élie et se mit à son service. Seigneur, suscite des vocations à la sainteté dans ton Église, dans le mariage, la vie consacrée, le sacerdoce. Donne-nous, famille, d'être à l'écoute, bienveillant, attentif aux appels qui retentissent dans les cœurs,
qu'ils puissent grandir, se déployer et s'accomplir par la grâce de ton amour et pour le salut de l'humanité. Nous te prions. Qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux et celles qui croient en toi, exauce les désirs de ceux et celles qui te supplient, par le Christ notre Seigneur. Amen. Action de grâce.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa sainteté. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, affermis nos familles dans ta grâce et dans ta paix, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as fait de l'alliance entre les époux un engagement plein de tendresse et d'harmonie, un lien irrévocable de paix pour que la pureté et la fécondité du foyer chrétien augmentent le nombre de ceux qui deviendront tes enfants. C'est ton plan de salut, Seigneur, c'est la grâce admirable de tes sacrements qui enrichissent à la fois l'humanité et l'Église, car toute naissance ajoute à la beauté du monde et la nouvelle naissance fait grandir ton peuple saint par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Thank you.
Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Notre-Dame de Bonne Espérance, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint murmure dans nos cœurs sans cesse le nom de Dieu comme Père. Par Jésus, par sa mort, sa résurrection, nous sommes enfants d'un même Père. Aussi, nous osons dire la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Communion nous sera proposée ici devant. Vous pourrez vous avancer en deux files et, si possible, repartir un peu sur les côtés, parce qu'on ne va pas se croiser par l'allée centrale. Même chose également, au-delà des grilles qui séparent les stalles de la deuxième partie de la basilique, deux points de communion vous seront proposés. Nous sommes invités à communier au corps et au sang du Christ en trempant délicatement le pain consacré dans la coupe de sang. Du sang du Christ, mais évidemment nous le faisons avec toute la prudence requise, et c'est pourquoi avant de vous présenter, des acolytes se tiendront avec un peu de gel hydroalcoolique pour nous purifier les mains. Merci. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Saurait dessiner ta grandeur.
Mes mots sont imparfaits, mais je continuerai. J'essaierai encore, oui, pour l'éternité, nos chants vont Prions le Seigneur. Tu refais nos forces, Père très aimant, par le sacrement du ciel. Donne-nous de toujours imiter les exemples de la sainte famille de ton Fils unique et, après les difficultés de cette vie, d'obtenir avec elle le bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Et nous écoutons Marie Krasinski. On s'assied. Quelques annonces pour la suite de cette belle journée. Tout d'abord, merci, Monseigneur, d'être venu célébrer et présider cette belle célébration. Ensuite, les rendez-vous importants cet après-midi. Premièrement, c'est remplir notre estomac, je pense. Donc, ceux qui ont apporté un pique-nique, vous pouvez pique-niquer dans les espaces verts. Merci à ceux qui ont mis des œufs à Sainte-Claire pour aujourd'hui. Ou alors pique-niquer aussi dans le grand réfectoire. Vous verrez sur le plan, il y a un espace pique-nique aussi à l'intérieur. Ensuite, à partir, donc plus ou moins le temps qui prépare l'espace, il y aura un temps d'adoration ici après la messe. Et puis des activités qui commencent. Vous avez votre horaire pour l'après-midi. La plupart sont autour de 14h, il y en a peut-être autour de 13h30 qui commencent.
Alors, aussi, vous imaginez bien qu'il y a quelques frais qui sont engendrés pour cette journée. Donc, si vous le désirez, faire une participation libre, nous avons mis des boîtes, une à l'extérieur à l'accueil et une où on offre du café dans l'espace pique-nique. Vraiment, à l'entrée sur la droite, il y a aussi une petite boîte. Merci à vous. Et enfin, j'aurais besoin d'une main innocente pour tirer au sort le gagnant du concours Facebook. Marie, Samuel, est-ce que... Alors, c'est une gagnante, c'est Bernadette Mambourg. Félicitations à Bernadette et merci d'avoir partagé la publicité de cet bel événement. Tu pourras venir chercher ton panier avec de la bière de bonne espérance et des petites gourmandises à 15h à l'accueil. Ah oui, et il y a aussi, pour ceux qui n'ont pas pris leur pique-nique, il y a aussi un food truck qui se trouve derrière l'espace pique-nique dehors. Et si vraiment, normalement il y avait un deuxième mais il n'est pas venu, donc si vraiment il y a trop de personnes pour faire la file et que vous n'avez pas à manger, c'est aussi possible d'aller chercher à manger au moulin et au tournebride. On vous indiquera si besoin. Merci. Je crois qu'on peut vraiment applaudir le service des couples et familles qui a bien préparé. Alors, on peut remercier ceux qui nous accueillent, donc Jean-Pierre Lorette, le recteur de cette basilique, et aussi l'unité pastorale de Binche-Estine, le curé, les prêtres qui travaillent ici. On peut aussi les applaudir. Et alors, Annunciata, avec son groupe instrumental, tous ceux qui chantent et qui nous font sauter, merci beaucoup. Les techniciens, je ne les connais pas tous, donc il y a Nicolas Druckmann pour les écrans et la sonorisation, mais encore bien d'autres qui sont intervenus, merci beaucoup. Et maintenant, la bénédiction pontificale. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Amen. Puissiez-vous ressentir, toujours et partout, la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. We believe in love.
Super. Allez, excellent.